Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va ouvrir le pack TOTS garantie de première ligue, les gars. Regardez tous les joueurs qu'il y a, ça est vraiment pas mal et des bonnes cartes. D'autres un peu moins intéressantes, mais franchement, en top 3, je mettrais un petit Son, Rashford, Bruno Fernandes, c'est vraiment le top 3 pour moi. Après, il y a aussi Salah qui est très fort, j'enlève pas les autres, hein, mais pour moi, c'est bon, un bon top 3. Il y a aussi Ruben Dias en défense, João Cancelo que beaucoup de monde utilise cette année. Et aussi De Bruyne, hein, qui est un peu moins fort que Bruno Fernandes, mais De Bruyne c'est quand même pas mal. Il y a du Vardy aussi pour ceux qui aiment bien Vardy. Il y a quand même pas mal de bonnes cartes, donc on va ouvrir le pack. C'était à 87 de notes et 42 collectifs. Il fallait aussi un joueur TOTS. Donc j'ai pris. J'ai fait deux vrais deux, il s'appelle. Deux vrais deux. Il joue en Arabie Saoudite, c'est à faire dans les objectifs, donc je l'ai mis dedans. De toute façon, je l'aurais jamais utilisé. Allez les gars, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, drapeau coréen, je suis content. Allez, pas un drapeau allemand, pas une douille, allez, un bon drapeau. Brésilien, c'est gardien, j'en étais sûr. Il va me servir à rien les gars. Il va me servir à rien du tout. C'est peut-être une carte à tester si je change de défense les gars, mais j'ai Alaba. Et Alaba j'aime bien. Je pense beaucoup de monde l'a packé, Edison, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez packé. Honnêtement, je suis vraiment très très déçu. Là, vraiment, ouais, c'est. Je suis vraiment hyper déçu d'avoir packé Ederson. Avec tous les gros joueurs qu'il y avait à packer. Même un João Cancelo, j'aurais été content en arrière droit. J'aurais pu enlever Sambia que j'ai. Franchement, là, je suis un peu dégoûté, les gars. Donc, comme je l'ai dit, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez packé. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars.